Merci, ô Dieu, de ta présence, toujours et partout. Nous t'en prions. Ouvre-nous à ta présence. Libère-nous de tout ce qui fait obstacle à toi. Amen. C'est dans l'amour et la joie de notre Seigneur que je vous accueille aujourd'hui. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous ce matin pour ce culte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens. Et bienvenue à vous qui êtes ici de passage ou pour la première fois. Et à vous tous, merci d'avoir bravé cette bise glaciale pour venir louer Dieu. Lorsque le peuple hébreu dans le désert rencontre, Moïse va sur la montagne pour rencontrer Dieu afin qu'il lui donne la loi. Dieu lui dit, aujourd'hui, tu es au désert, mais demain, tu seras dans la ville. Dans le pays que je t'ai réservé, ce pays, je te le donne, il est à toi. Prends-en possession. Mais dans ce pays, ne vis pas n'importe comment. Ne copie pas la façon de vivre de tes voisins. Pour t'aider, je te donne ce commandement en particulier. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Un jour par semaine, tu arrêteras tes activités et ce jour-là, tu le sanctifieras. Alors Seigneur, nous te remettons donc ce temps de culte, cette heure, en te rendant grâce de l'avoir rendu possible, comme nous te rendons grâce d'être là, au milieu de nous. Amen. Je vous invite à la prière avec ces paroles empruntées à la liturgie de Bose. Esprit d'amour, c'est ta voix que j'écoute dans le vent, ton souffle lorsque l'homme respire. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Esprit de Dieu,
Donne à mes yeux de découvrir ta beauté. Accorde à mes mains le respect des choses, à mes oreilles d'écouter ta voix. Donne-moi l'intelligence pour comprendre toute créature. Enseigne-moi la leçon que recèle une simple feuille. Fais-moi sentir ta sagesse renfermée dans une pierre. Donne-moi ta force, non pour m'opposer à mon frère, mais pour lutter contre le véritable ennemi, moi-même. Fais-moi vaincre le mal par le bien que tu m'inspires. Quand viendra l'heure, viens à ma rencontre. Je voudrais te rendre grâce de m'avoir créé et porter avec moi le souvenir de cette terre que j'aime. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 205, tous ensemble au Notre Dieu. Et nous le chanterons en entier. Tous ensemble au Notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous en ce saint lieu, prions. Père, nous avons pris le temps de venir vers toi ce matin, mais assis sur nos bancs, sommes-nous vraiment à ton écoute? Nous pensons peut-être déjà au repas qui va suivre ou à nos rendez-vous de la semaine. Sur nos chemins de tous les jours, nos cœurs aspirent sincèrement à suivre ta parole, mais trop souvent, nous marchons avec des œillères qui nous empêche d'être sensibles à ta présence, à nos côtés. C'est ainsi que nous plaignons souvent de solitude, alors que tu es présent dans nos vies. Égocentrisme, jalousie, vanité et bien d'autres défauts font partie de notre humanité. Ce matin, nous te demandons pardon pour ces écarts qui nous éloignent de ton enseignement et de ton amour. Amen. Accueillons la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous et agir à travers vous. Vous qui avez faim et soif de la justice, vous êtes heureux, car vous serez rassasiés. Alléluia. Et maintenant, je vous propose un deuxième chant. Je vous invite à lever pour
chanter le cantique 421, « Toi qui disposes ». Et nous le chanterons de nouveau en entier. « Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière, c'est d'amour. » Nous te disons merci pour ta parole. Permets-nous de la recevoir comme un compagnon de route, comme une amitié renouvelée, comme un appel de ta tendresse. Enracine notre présence dans ta parole. Guide nos pas et nos décisions selon ta parole. Amen. Alors nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 1 à 7. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble les feuilles d'arbre. Et cela leur sert de pagne. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire,
Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras en culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir. » Ce dimanche est le premier dimanche de carême, c'est-à-dire de cette période de 40 jours qui précède le dimanche des Rameaux et qui représente le début de la Semaine Sainte. Les églises protestantes sont en général peu attachées aux pratiques du jeûne, car pour elles, le salut est donné gratuitement. C'est pourquoi se préparer à Pâques ne passe pas par des privations susceptible de permettre d'acquérir des mérites vis-à-vis de Dieu. Nous avons toutefois conservé la tradition, le premier dimanche du carême, de méditer cet épisode du début du ministère de Jésus, où il est mis à l'épreuve par le diable. Ce récit des tentations de Jésus au désert est donc très connu. Mais je pense qu'il n'est pas inutile de le méditer encore une fois, car il nous confronte à des questions fondamentales concernant notre vie et la foi chrétienne. Ce récit se trouve dans les trois évangiles synoptiques. Dans l'évangile de Matthieu, que l'on vient de lire, comme dans les évangiles de Marc et de Luc, cet épisode suit directement le récit du baptême de Jésus. Lors de ce baptême, le Saint-Esprit descend du ciel sous forme d'une colombe et une voix se fait entendre du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Puis, l'Esprit pousse Jésus au désert où il s'isole pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est là qu'il est alors tenté trois fois par le diable ou Satan. 40 jours, c'est aussi le nombre des jours du carême. 40 est un nombre hautement symbolique. Dans le monde sémitique, il représente le nombre de l'attente et de la préparation. Dans la Bible, 40 jours ou 40 ans, c'est aussi le temps de l'épreuve, mais qui aboutit généralement sur une bonne nouvelle. On peut penser ainsi se rappeler de l'errance du peuple hébreu dans le désert qui a duré 40 longues années. Dans ce cas, l'épreuve aboutit à une libération. Mais le texte lu ce matin fait probablement allusion au livre de l'Exode où Moïse s'est isolé 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour rencontrer Dieu.
Dans le désert, Jésus est seul. Il livre un combat intérieur où son adversaire est la figure pervertie du divin. C'est une expérience très humaine où il ressent le manque et la fragilité. C'est une expérience vécue en dialogue, en vis-à-vis avec le tentateur, venu de nulle part, appelé tour à tour le diable, qui est le diviseur, ou Satan, l'accusateur. Ce sont des tentations fondamentales que Jésus doit affronter. Les surmonter va lui permettre de mieux comprendre sa vocation et de commencer sa mission avec une foi éprouvée. Le désert est un lieu de solitude où l'on perd facilement ses repères. On se retrouve alors face à l'essentiel. Cet environnement se prête au questionnement, au doute, à la fragilité, voire à la peur. Ce désert, parfois nous le traversons nous aussi. En effet, nous pouvons tous vivre des épreuves durant lesquelles tout semble mort en nous ou tout semble vide autour de nous, comme si l'Esprit de Dieu s'était retiré de nos vies. Et c'est souvent lorsque nous traversons nos déserts personnels que les tentations se présentent à nous et deviennent parfois dangereuses. Mais revenons à notre récit. La première tentation se présente lorsque Jésus a faim. Le tentateur lui suggère alors d'ordonner que les pierres se transforment en pain. Rendez-vous compte, pouvoir changer les pierres en pain, ce serait extraordinaire. Plus de problèmes de faim dans le monde. Mais bien sûr, Jésus refuse. Il répond, « Il est écrit que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voici donc la première tentation. Croire que la puissance divine est là pour subvenir à nos besoins matériels et vouloir utiliser Dieu pour obtenir des choses concrètes. Jésus a résisté à la première tentation en rappelant que la parole de Dieu nourrit l'homme et que cette nourriture spirituelle est essentielle à la vie quotidienne. Aussi essentielle que le pain, voire davantage. Il ramène donc la situation à un registre spirituel. On ne peut donc raisonnablement demander à Dieu de payer, par exemple, notre note de caisse à la Migros, mais on peut lui demander de nourrir nos cœurs de valeurs qui vont nous fortifier bien plus que du chocolat ou des épinards. La deuxième tentation se présente lorsque le diable emmène Jésus au sommet du temple de la ville sainte et lui dit « Jette-toi en bas, car il est écrit que les anges de Dieu viendront te porter pour que tu n'aies aucun mal. » Mais là encore, Jésus refuse et il répond « Il est aussi dit que tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Voilà donc la deuxième tentation. Elle est de croire que même si Dieu n'empêche pas l'existence du mal, il va nous en préserver, car nous sommes ses enfants bien-aimés. En d'autres termes, c'est avoir une telle confiance en Dieu que nous nous sentons invincibles, défendus par une foi qui va nous soutenir et nous protéger quoi que l'on fasse. Je pense que cela consiste à ne pas faire la part des choses et à ne plus prendre la responsabilité de nos actes, alors que Jésus nous appelle à la conversion afin que nous devenions pleinement nous-mêmes adultes et responsables. Si nous pensons à nos vies familiales, on peut facilement établir un parallèle avec cette tentation vécue par Jésus. Longtemps, nous protégeons nos enfants et nous rattrapons leurs erreurs. Mais nous attendons d'eux qu'ils acquièrent un peu de maturité et de sagesse. Nous attendons d'eux qu'ils ne mettent pas à l'épreuve notre affection pour eux, mais qu'ils s'assurent eux-mêmes avec intelligence. C'est alors que se présente la troisième tentation, plus grave encore, et qui est peut-être celle qui menace plus
notre monde d'aujourd'hui. Satan emmène Jésus au sommet d'une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leurs richesses. Satan lui propose de se prosterner devant lui, alors en échange, il lui donnera puissance, richesse et pouvoir. Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Voilà la troisième tentation. Écarter Dieu de nos vies pour lui préférer des idoles, souvent de pacotille, des idoles qui assouvissent souvent temporairement notre faim de biens matériels et notre soif de pouvoir. Des idoles qui nous entraînent trop souvent à nous concentrer sur notre bonheur personnel et à viser la réussite à tout prix et parfois à braver toute éthique. En effet, on a vu précédemment que Dieu ne nous aide pas matériellement et il ne nous met pas à l'abri des épreuves. Ce qui peut nous inciter finalement à ne pas compter sur lui pour nous guider dans nos vies. Écarter Dieu, finalement, permet peut-être de ne pas être déçu par son apparente inaction, mais c'est aussi amputer nos vies de ce qui nous maintient vraiment debout et vivants. Car croire que Dieu ne peut rien faire pour nous est évidemment faux. Le Christ, par sa vie et ses paroles, nous apporte nourriture spirituelle, sagesse et surtout la plus belle des richesses. Il nous apporte en effet l'amour dont nous avons tant besoin pour rayonner dans nos vies. Remarquons qu'à la fois, par trois fois, le Christ a opposé l'Écriture à la tentation au diable. Nous pouvons y voir comme une invitation à puiser dans l'Écriture, la force de résister à ce qui pourrait venir entraver notre relation personnelle à celle de Dieu. Mais revenons brièvement à la première lecture que nous avons entendue ce matin. C'est l'un des passages les plus connus du livre de la Genèse. Dans celui-ci, il est écrit que le serpent est le plus rusé des animaux sauvages. Il prend la place du tentateur et il propose à Ève de manger le fruit de l'arbre défendu et il dit « Le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et mauvais ». Mais contrairement à Jésus dans le désert, ici, Adam et Ève succombent à la tentation et ils sont ensuite chassés du paradis. Est-ce dire que les humains ont plus tendance à succomber aux tentations que Jésus? Oui, cela est une évidence, car nous sommes pleinement humains. Jésus, lui, a résisté et a accepté la mission que Dieu lui a confiée en lui remettant lors de son baptême l'Esprit-Saint et la charge de le transmettre. Il nous montre qu'être fils de Dieu, c'est refuser de se prendre pour Dieu et accepter nos limites humaines. Il nous montre aussi l'exemple à suivre. En effet, nous devons refuser de toujours vouloir combler nos manques en transformant des pierres en pain. Refuser de nous croire invincibles en se jetant du haut du temple. Refuser de nous soumettre à des idoles qui donnent richesse et pouvoir. Rester humain, c'est donc aussi savoir vivre avec nos frustrations, nos limites et nos contradictions. C'est vrai que dans notre société occidentale, les tentations ne manquent pas. Nous sommes sans cesse poussés à céder à celles-ci, aveuglés par des publicités souvent mensongères ou entraînés par des influenceurs qui nous promettent monts et merveilles. Dans notre quotidien, nous sommes aussi tout simplement tentés de faire parfois comme certains de nos proches qui profitent de la vie sans se soucier des conséquences et de leurs actes. Bien sûr que céder à certaines tentations ne porte pas à conséquences, mais nous finissons parfois à ne plus savoir ce qui est raisonnable ou ce qui ne l'est pas. S'offrir parfois un bon morceau de viande de production locale ne pose pas de problème. Par contre, vouloir obtenir les dernières nouveautés à la mode
nous pousse assez vite à une surconsommation néfaste. Il y a deux semaines, notre Église a proposé une journée de réflexion très intéressante sur le thème d'une Église reliée au vivant. Benoît Hichère, doctorant à l'Université de Genève, nous a donné alors quelques pistes de réflexion intéressantes. Personnellement, je souhaite vous en parler, car je trouve que la crise environnementale que nous vivons nous donne à réfléchir sur les conséquences liées à notre mode de vie, fortement marquées par de multiples tentations auxquelles nous cédons trop souvent. Je ne vais pas vous donner une description des problèmes majeurs qui menacent notre belle planète, car des personnes comme Greta Thunberg ou les scientifiques du GIEC le font très bien. Non, je vais plutôt me restreindre à quelques aspects théologiques en lien avec notre lecture de ce matin. Si l'on revient au livre de la Genèse, nous pouvons lire que Dieu a enfanté la création et qu'il a vu que cela était bon. Puis, il a créé toutes les formes de vie, qu'elles soient végétales, animales et humaines. Et Dieu a vu que cela était aussi bon. Finalement, après le déluge, Dieu a promis à Noé et à ses fils qu'il fait alliance avec les hommes et avec toutes les formes de vie qu'il a créées, et pour toujours. Ces textes nous disent que Dieu a créé le monde par amour. Bien sûr, il est aussi écrit que Dieu a mis l'humain en position de pouvoir, mais cela ne lui donne pas le droit de tout faire. Je pense que nulle part dans la Bible, il est écrit que l'homme a le droit de détruire la nature ou d'exterminer les autres créatures. Si l'humain dispose d'une place particulière dans la création, c'est aussi en responsabilité devant Dieu. Nous sommes tous reliés de manière intrinsèque et indissociable au reste de la création. Le théologien Jürgen Moltmann nous suggère que l'Esprit Saint suscite une communauté de la création dans laquelle toutes les créatures communiquent, chacune à sa manière, entre elles et avec Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus, en réponse à un pharisien spécialiste de la loi, nous rappelle que le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Et que le second commandement qui lui est semblable est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour est donc un commandement exigeant et essentiel, spécialement dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi l'amour doit être la voie qui nous guide dans l'utilisation du pouvoir. Il y a donc pour nous cette exigence d'aimer la création en réponse à l'amour de Dieu. Au vu de l'actualité, on peut se demander si nous sommes vraiment en train d'aimer la création et les créatures qui y vivent. Les deux versets que je viens de vous lire parlent de l'amour, avec cette préoccupation forte que nous devons avoir envers les plus faibles et vulnérables, et qui implique, de notre part, de mettre toujours au premier plan notre éthique et nos valeurs chrétiennes. N'oublions pas que les personnes les plus menacées par les changements climatiques ne sont généralement pas celles qui sont responsables de celles-ci. Ce sont aussi celles qui n'ont souvent ni les moyens de s'adapter, ni les moyens de se protéger, ni même parfois les moyens de fuir les catastrophes. L'évangile de Matthieu, à la fin du chapitre 25, nous dit que dans la mesure où nous ne nous occupons pas des plus petits, des plus vulnérables, c'est à Jésus que nous ne l'avons pas fait. Voilà qui doit nous pousser à plus de justice et de partage. Par ailleurs, penser que Dieu n'existe pas pousse l'homme à vouloir résoudre tous les problèmes par lui-même. Par exemple, comme nous met en garde le philosophe Jacques Ellul, il ne faut pas non plus succomber à l'idole de la toute-puissance de la technologie, car celle-ci pose parfois davantage de problèmes qu'elle n'en résout. Alors, à l'exemple du Christ, il prône une éthique de non-puissance qui est une éthique de l'autolimitation
et de la sobriété. Une nouvelle théologie que l'on appelle la théologie verte nous pousse, elle, à élargir la notion de péché en le définissant comme un éloignement de la nature, causé par nos modes de vie, mais aussi par nos choix individuels. Soulignons toutefois que de nombreuses actions personnelles ou collectives voient déjà le jour, et il est nécessaire de les soutenir. En tant que chrétiens, n'oublions pas que Dieu est parmi nous, à travers le souffle et l'esprit qui est en nous, ainsi que par les paroles du Christ dans les évangiles. Et comme le dit le théologien Raphaël Picon, Dieu compose avec l'humanité et agit à travers elle. Dieu crée en faisant de la vie, de l'existence, du monde, une source de satisfaction, de réjouissance et d'émerveillement. La création en effet n'est pas tant ce qui nous précède et qui est déjà là, que de ce qui est à venir. Je suis bien d'accord avec lui. Cette action créatrice de Dieu dépend donc toujours de notre manière de vivre, et notamment de vivre avec la nature. La création est aussi l'action par laquelle nous contribuons à sortir le monde du désordre, afin qu'il puisse continuer à prospérer. C'est vrai que prises isolément, nos actions ne semblent pas avoir un impact significatif sur la crise climatique. Mais nous ne devons pas baisser les bras devant les difficultés. Car l'addition de toutes ces actions individuelles et collectives finit par donner des résultats significatifs. Il est temps d'agir à tous les niveaux si l'on veut assurer un avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. Encourageons-nous donc à mettre en pratique cette éthique de l'amour, car c'est cela qui nous permettra d'obtenir à temps les changements nécessaires. Voilà ce qui rendra le monde plus juste et permettra l'allégresse de tous. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 343. Ô Jésus, tu nous appelles. Et nous le chanterons aussi en entier. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts. Que jamais rien ne sépare ce qui veulent de s'aimer, et que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui s'élève. Notre Dieu et notre Père, nous prions pour toutes celles et ceux qui vivent la guerre, l'exil et la séparation. Pour toutes ces personnes qui tentent de vivre entre un passé disparu et un avenir incertain. Recueille-les dans ton amour et aide-nous à revisiter avec eux le mot « espérance ». Nous prions pour toutes celles et ceux qui ont récemment perdu leur maison, mais aussi leur lieu de culte, et qui n'ont parfois que leurs mains pour tout reconstruire. Recueille-les dans ton amour et aide-nous à revisiter avec eux le mot « confiance ». Nous prions aussi pour toutes celles et ceux qui prononcent des arrêts de mort sur des forêts, des animaux, des populations et qui exploitent la terre à outrance. Ébranle un peu leur cœur et aide-nous à revisiter avec eux le mot « respect ». Nous prions pour nos familles, nos voisins et amis qui parfois peinent à trouver leur équilibre entre ta parole et les tentations qui les éloignent de toi. Raffermis leur foi et aide-nous à revisiter avec eux le mot « amour ». Enfin, nous faisons silence pour te remettre les personnes que nous aimons et qui se trouvent dans une situation douloureuse. Et ensemble, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et voici maintenant quelques annonces. Ce soir à 20h30, culte dans la chapelle de Champelle avec Sainte-Seine, que je présiderai. Dimanche 5 mars, culte invitation en collaboration avec Contact Jeunes. Ce culte aura lieu à 10h au temple de Malagnou et sera présidé par Emmanuel Fuchs. Et ce ferreur après, il y a un repas communautaire après ce culte. Puis à 20h30, culte du soir dans la chapelle de Champelle, présidé par Marc Pernaud. Vous trouverez aussi d'autres annonces dans le feuillet que vous avez reçu au début de ce culte ou sur la lettre d'information que vous trouverez à la sortie. Vous verrez que mercredi 1er mars, il y a le club du sourire. Et jeudi 2 mars, vous avez dit calviniste, quel héritage pour la réforme du 21e siècle avec le pasteur Emmanuel Fuchs et Marc Pernaud. Et le thème sera le culte à quoi ça sert, culte et ritualité. Ça sera au temple de Champelle à 18h15. Je profite maintenant de remercier vivement Norberto Brogini pour son bel accompagnement musical. Et je remercie aussi Daniel Bess pour son accueil, sa participation, ainsi qu'Elisabeth Pictet pour sa patience, son aide et son inspiration. Et pour finir, merci à Matteo pour la prise de vue de ce culte. Donc à l'issue de notre culte, venez nous rejoindre pour l'après-culte qui sera servi dans le foyer. Et je propose également un moment d'échange pour ceux qui le désirent sur la prédication que vous venez d'entendre. Et les personnes intéressées peuvent venir me rejoindre à l'issue de ce culte, ici ou sur les fauteuils dans le foyer. Enfin, le texte de ma prédication est disponible à la sortie pour celles et ceux qui souhaiteraient le prendre. Pendant le chant qui va suivre, votre offrande sera recueillie. D'avance, soyez vivement remerciés de votre don, puisque votre don permet à cette paroisse de continuer sa mission. Alors maintenant, je vous invite à chanter le cantique 392. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. Et nous le chanterons en entier. Il faut qu'en Dieu l'on se confie, la paix du cœur se trouve en nous. Mais sa vie, par ses tourments, par ses avant la bénédiction,
Je vais vous lire un petit poème d'Alice de Chambrier, une poétesse suisse romande du XIXe siècle. Je trouve que c'est un poème qui porte une belle espérance. Si tu sens ta foi vaciller devant la tempête à garde, calme-toi, Dieu te garde. Si d'après la commune loi, dans le néant tombe chaque heure, calme-toi, Dieu demeure. Si ton cœur est rempli d'émoi, si le désespoir t'environne, calme-toi, Dieu te pardonne. Si la mort te comble d'effroi, si tu crains l'ombre où l'on sommeille, calme-toi, Dieu réveille. Et recevons de Dieu sa bénédiction. Sur nos chemins escarpés et sur nos routes, dans nos déserts et au cœur du monde, parmi nos frères et au milieu d'inconnus, où que nous soyons, l'Éternel est là. Il nous accompagne, il nous aime et nous garde. Allons dans sa paix. Amen.